suis Aristide Benoît, donc je suis développeur freelance en France actuellement. Alors donc j'ai commencé il y a 3 ans, j'ai appris tout seul sur internet, j'ai travaillé très dur, donc je travaille entre 10 et 12 heures par jour, même le week-end, donc j'ai pas de vie de famille, ce qui facilite les choses. Et j'ai commencé par faire un portfolio pour gagner mon premier prix, comme ça, et depuis j'essaye d'en gagner à chaque fois, parce que ça m'apporte beaucoup de clients. Alors, quand je peux, j'utilise aucune librairie, parce que je trouve ça très intéressant d'apprendre à tout coder par soi-même, et c'est là où j'ai vraiment appris le plus. Alors en ce moment, il y a 2 choses qui me tiennent à cœur, c'est les shaders et le WebGL natif. Du coup, je passe, dès que j'ai un petit peu de temps entre les projets ou le soir, j'essaie de passer 1 heure ou 2 dessus. Donc je travaille là-dessus, donc c'est beaucoup de mathématiques aussi. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et il y a aussi Python pour... Donc ça, c'est pour passer de C4D, par exemple, donc un logiciel de 3D. Alors, donc c'est simple, il y a 3 ans en arrière, j'étais batteur de jazz. Donc c'est un milieu assez difficile en fait, et même si je travaillais très dur, je savais que j'allais plafonner à un certain niveau. Et du coup, je me suis penché sur le web, j'aimais beaucoup ça depuis longtemps. J'ai commencé à faire un petit site tout seul, à apprendre. Et là, je me suis dit, bon, si tu te lances là-dedans, quels vont être tes clients? Donc, je me suis dit, ça va être des clients locaux, par exemple, ça peut être un plombier, un boulanger. Ça ne m'intéressait pas du tout, parce que venant d'un milieu artistique, je voulais quand même m'exprimer via des animations. Et du coup, j'ai découvert les awards, et je me suis dit qu'en gagnant un prix, j'aurais sûrement des clients, sûrement des gens du monde, vu qu'avec Internet, on a accès au monde entier, que des gens viendraient vers moi, quoi. Où j'ai gagné, je me souviens, une mention honorable avec un premier portfolio qui, aujourd'hui, je le trouve assez mauvais. Et depuis, chaque prix que je gagne, je reçois beaucoup, beaucoup de mails et beaucoup de demandes, et c'est de plus en plus. Donc, un grand merci à Awards pour tout ça.